Hey, salut les amis. Eh bien aujourd'hui, on est en carpodrome et on va pêcher la carpe au feeder. Donc je vais vous montrer un peu la base. Donc on va déjà commencer par l'amorçage. Donc pour l'amorçage farine, je vais commencer avec une base de 2 kg. Donc avec deux amorces différentes, donc une amorce spéciale feeder très collante et une amorce anglaise et très attractive. Plus un additif, donc l'additif après c'est un peu au choix, moi j'aime bien les bases vanille, donc voilà. Donc on va verser nos 2 kg d'amorce dans le seau. L'additif avec. Et voilà, ensuite on mélange bien le tout. On rajoute l'eau. Voilà, une fois que votre mélange est bien homogène, vous vérifiez que vous arrivez à faire des bonnes boules bien collantes. Donc là, c'est pas mal. Et on va passer au tamis. Donc là, on va mettre un petit coup de tamis en maille de 6 mm. Ça va permettre à l'amorce de bien respirer, de bien séparer les particules. Donc l'opération est simple, hein, il suffit de mettre votre amorce sur le tamis. Et voilà. Voilà, votre amorce est prête. Au besoin, on y mettra un petit coup d'eau. Par exemple, on a besoin. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, on va la laisser gonfler quelques minutes. Petite parenthèse, les amis.
bien peut-être que tu apprécies mes vidéos ou peut-être que tu les apprécies pas. Mais en tout cas, si tu les apprécies, n'oublie pas de t'abonner. T'inquiète, c'est pas un abonnement Canal+, c'est gratuit. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche. Ça te permettra d'avoir une petite notification chaque fois que je mettrai en ligne une vidéo. Donc toujours concernant l'amorce, hein, donc là j'ai préparé ma farine. Donc celle-là, elle va me servir vraiment uniquement à alimenter ma cage à feeder. Pour le reste, je vais faire du rappel avec beaucoup de pellets, donc des pellets baby corn et des pellets feeding duxing. Voilà. Et le maïs, je vais m'en servir surtout en neige et peut-être que je mettrai un ou deux coups de fronde au cas où, mais bon, en général, je rappelle beaucoup aux pellets, quoi. Alors pour le matériel, je vais vous montrer un peu ce que j'utilise. Donc déjà, j'utilise une canne feeder de 3,90 m pour 150 g de puissance, parce que bon, j'envoie quand même des sacrées patates avec mon feeder, donc il faut quand même de la puissance, hein. Un corps de ligne en 25 centièmes. Un anti-tangle avec une cage feeder d'environ 25 g. Une petite perle en caoutchouc pour éviter les à-coups sur le nœud et éviter de casser bêtement, on va dire. Un émerillon baril. Et un bas de ligne en fluorocarbone de 25 centièmes, d'environ 20-25 cm. Et un hameçon simple taille 10 sans ardillon. Allez, c'est parti. On va mettre un bon grain de maïs, donc on l'accroche par-dessus. Voilà, j'insère l'hameçon à l'intérieur. Voilà, là, il est bien camouflé. Vous enfilez l'amorce dans la cage. Voilà. Bon, je vous dis que j'envoie des bonnes patates, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre une canne assez puissante quand même. Donc ensuite, il faut prendre un repère. Donc là, on va pêcher environ à 30 mètres. On va viser les deux arbres qu'il y a juste en face. Voilà. Un petit ferrage pour décrocher l'excédent d'amorce qu'il y a sur la cage et aligner le bas de ligne. Là, une fois que tout est bien tendu, débrayage et ça pêche. Voilà, on va faire un petit rappel.
Et voilà. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à attendre les touches. Hop, c'est parti, premier poisson. Elle arrive. Voilà. Une jolie miroir pour commencer. Et voilà. Et voilà les amis, premier poisson de la journée. Donc là, on va recharger le feeder, on va refaire un petit rappel en pelette, c'est reparti pour un tour. Hop, deuxième poisson.
Ah, cette fois-ci, une belle commune. Et voilà. Une très belle commune, bien en forme. Il y a un peu de puissance là quand même. Hein. Je pense qu'on a un poisson intéressant là, au bout. Hein. Un bon client. Là. Oh, elle est jolie celle-là, hein. Un peu orangée.
de la puissance là. Voilà, encore une petite commune. Et c'est tout bon.
le départ fulgurant là. Voilà, encore une très belle commune. N'oubliez pas le rappel, c'est super important, hein. Après chaque poisson, quelques pellets sur le cou pour les garder là. Là, il y a de la patate là. Hein. Pas trop la mettre sous l'eau parce qu'après elle va s'approcher dedans. Ça donne, ça tient bien, hein. Voilà, laisse la, attends, je vais l'amener direct dans l'épuisette, lève un peu, voilà, bouge plus, le temps qu'elle se fatigue, hein. Quoi? Le temps qu'elle se fatigue. Elle est où? Attends. Elle est là-bas. Attends un peu, là c'est comme ça. Tu la tiens bien? Oui. Bon.
une carpe. Oui, papa il a pêché une carpe. C'est bon, il a une carpe. Non, pas trop loin, ça sert à rien. Attends, c'est sauvé. Hein. Bouge pas, parce que si tu bouges, tu vois, elle va se barrer. Tu la mets dedans et puis après tu la prends. Donne. Voilà, reste ici. Ah oui. C'est bon, je l'ai. Prête. Oui. Lâche le truc. Voilà. Hop là. Oh, c'est quoi ce truc là? Oh. Il y a la foule. Hop. Il y a des œufs dans le panier. Allez, c'est parti. Bon, on va en pêcher une autre. Rien en fait. Alors, tu pêches ? Tiens, alors arrête de gaspiller des trucs, je t'ai dit. Ça sert à rien, tu vas les lancer au bord, là, regarde. Tiens, prends la canne. Ah, viens, prends la canne. Je vais ramener le poisson. Non, laisse-la, elle est plus épaisse. Viens. Tu mets entre tes jambes la canne. Comme ça. Voilà, tu la tiens bien fort, hein, parce que là, ça tire fort, les carpes. Et hop, tu moulines. Voilà. Si tu vois que ça vient pas, tu l'attends un peu. Attends, attends. Elle s'est fatiguée, mouline à coup. Vas-y, mouline. Vas-y. Bon, tu la tiens, là, je lâche un peu. Hein. Oui. Tu la tiens bien, hein, fort. Hein. Vas-y, allez, ramène-le. C'était une carpe. C'est une carpe, je pense. J'ai de la canne en l'air. Arrête de mouliner comme une dingue, si tu vois, là, elle tire, là. Tu la tiens ? Oui. Tiens la plus fort vers le haut, voilà. Bien. On va avoir une carpe ! Ouais. Je vais te casser une perche. Regarde, il y a une araignée d'eau. Recule pas trop. Ouais, c'est bon. Ah bah ça tire, hein. Maman, regarde. Doucement. Tiens, petit cœur. Attends, tire pas trop dessus. Laisse-la se fatiguer toute seule. Là, tu la maintiens et puis elle va se fatiguer. Lève la canne en l'air. Voilà, bouge plus. Quand tu vois qu'elle tire plus de trop, tu ramènes. Si tu vois qu'elle tire, tu ramènes pas. Elle tire un petit peu. Est-ce que je peux la ramener? Attends, on va sortir un peu le moulinet, vas-y, sinon tu n'y arriveras pas. Voilà. Tiens-la bien ici comme tu veux. Voilà. Allez, moi, mouline. Mouline un petit coup. Tire. Et bah, faut pas faire ça, hein, sinon tu vas la décrocher. Parce que tu vas casser. Je vais mettre un peu par là parce qu'elle va aller dans les arbres. Allez, elle arrive. Encore un petit peu. Attends, t'énerve pas, on va pas la chercher, reste là. Moi je te l'amène direct dans l'épuisette. Elle est bonne, elle bouge plus, elle bouge plus. C'est bon, je l'ai. Ah, voilà. Je l'ai. Je la ramène. Pense que c'est un mâle. Lâche. Pense que c'est un mâle. Alors ça se voit que c'est un mâle. Hop. Hop là. Attention derrière toi.
Et voilà les amis, ça vous a donné un petit avant-goût. Bon, je vais pas filmer toute la journée, hein, donc n'oubliez pas surtout, il faut bien faire les rappels aux pellets à chaque fois que vous prenez un poisson. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter si ça vous dit, hein, moi je réponds à tout. Et bien sûr, le petit pouce. Allez, ciao ciao les amis.